Bienvenue yep, les gens, c'est Alex Vic pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grosse vidéo assez spéciale parce que, bon, vous savez que je fais rarement de pack opening euh, sur Madden Ultimate Team. Alors là, il s'est passé quelque chose d'assez spécial c'est que mon sponsor, en fait, euh, donc mon, mon partenaire, euh, pour me soutenir, parce qu'il a trouvé que c'était une très bonne idée d'aller de, 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 sur l'Ultimate Team et que c'était des vidéos qui marchaient quand même. Euh, assez bien euh, m'a proposé de m'offrir euh, des ouvertures de packs donc euh, j'ai eu le droit à 70 euros de sa part en plus pour la nouvelle année euh, d'ouverture de packs euh, en plus ça tombait bien c'était des packs légendes euh, ceux que je préfère ouvrir euh, donc j'ai eu le droit à 10 packs légendes et j'ai rajouté euh, 20 euros pour avoir 5 packs légendes en plus sachant que dans ces packs on aura un pack où on sera obligé d'avoir un joueur légende alors j'espère vraiment vous allez voir, c'est quoi les légendes qui sont sorties cette semaine? Charles Woodson et Vincent Jackson. Alors, Vincent Jackson, je suis pas très fan, mais si on l'a, ce serait ouf. Ce serait ouf parce que j'ai besoin d'un receveur et euh, la carte doit vraiment être lourde. Je l'ai pas encore trop regardé. Euh, et Charles Woodson, ça serait vraiment mon rêve de le choper. Alors, ah, c'est le Charles Woodson des Packers, donc ce sera un cornerback. Ça, je suis un peu déçu par contre. J'aurais préféré celle des Riders. Enfin bref, on verra. Donc, j'ai quand, quand même mis 20 balles. On a euh, un Exchange pack, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et on a un Legend Tooper où euh, on a un joueur, je crois. On va commencer par les légendes pack tout de suite. C'est parti, les gens. Alors, j'espère que je vais avoir du lourd dedans. Pour l'instant, c'est de la grosse merde. Hein. Ah, on a eu Woodson, mais pas en légende. On a, alors, on a une, une collection de Anthony Munoz. Ça doit euh, se revendre un petit peu, pas extrêmement cher, mais un petit peu. Ok, on a eu des joueurs à 80 d'overall, au-dessus de 80. Alors, ça, c'est des joueurs que je vais pouvoir vendre 2500 quand même, donc c'est pas mal. Et, alors, comme vous pouvez le voir, je suis extrêmement malade. Je suis pas sorti du week-end pour l'instant, et euh, c'est juste infâme. Je suis juste hyper pas bien. Mais je tenais à vous faire cette vidéo, donc désolé si je parle un peu du nez et je tousse ou le bordel comme ça. Je m'excuse d'avance. Euh, bon ok 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 ok, premier pack vraiment pas terrible euh, On va continuer sur un légende pack Moi je préfère une technique, c'est celle là Ok donc j'ai vu on a eu un légende badge On a eu un Vic Bisley qui pourra vendre entre 8000 et 9000 Ah non c'est d'accord, c'est la c'est la road to playoff Ok bon ok 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 c'est pas ouf Bon ce pack est vraiment pas ouf, bon il y a le légende badge ça se vend euh, 30 000 je crois. Je sais pas si c'est 30 000 ou 60 000, c'est merde. 30 000. <coughs> un peu plus de 30 000. Ou alors il pourrait me servir pour faire une collection, donc on verra bien. Ah putain, je suis en train de clamer. Ok, un nouveau badge. A la rigueur, je préfère avoir ça qu'une carte collection tout pourri d'un vieux joueur. Euh, légende. On a eu un Sheldon Richardson. Donc euh, carte euh, changement de, de position. Donc là il est en full back. Ça me servira pas du tout. Je vais le revendre 6000 je pense par là. Ok. Pour l'instant on n'a pas été très chanceux. Aman Grim, donc, donc ça c'est de la grosse merde par exemple, vous voyez. Ça je vais le vendre que dalle. Ok. Oh Anthony Barrot tout pleuf, ça se vend cher ça. Vu qu'il y a les collections Road to Playoff en ce moment, ça, ça va se vendre un peu. Ok, donc c'est pas que c'était de la grosse merde quand même. Alors là, vraiment, on a vraiment pas de chance pour le moment. Michael Irvin, c'est pas mal. C'est pas mal parce que je pourrais faire à la rigueur la collection. Je crois que j'en ai déjà une en plus. De collectif de lui. Ouh, Déventé Parker. Oh, nice. Ça, c'est une carte que je pourrais peut-être utiliser. Attendez, parce que c'est un joueur que j'adore. Vous savez, c'est un ancien de, de l'université de, de Louisville. Et euh. Et, et, et Louisville euh, 93 en speed quand même ouais, il a pas des stats extrêmement lourdes mais c'est pas mal quand même il est moyen en fait un peu partout et vu que c'est un joueur euh, que j'aime bien et en plus qui est en, en speedrun euh, qui est le le comment dire l'attribut que j'utilise en ce moment en attaque euh, je pourrais peut-être l'utiliser il est meilleur que. Je pourrais le mettre à la place de Stephen Dix par exemple. Il a des stats qui sont un peu meilleurs. Excusez-moi. Bon, quoique Stephen Dix, je l'aime bien. Ouais, non, mais il est pas ouf en fait. Il est pas ouf. Je pense que je vais le revendre au final. On a un Demerville, Ezekiel Anza et un Castonzo. Dédicace super cool si tu regardes. Et un Michael Irvin. Donc, ça c'est vraiment pas mal. Ça, je suis content. Ah, il y a eu du rouge. Il y a eu du rouge. Ok, c'est de la merde. Jamie Collins, c'est de la grosse merde. Je suis déçu. <laughs> Là, pour l'instant, je suis grave déçu hein, sur ces ouvertures de pack. C'est vraiment la déception totale. Voilà, bon, pour l'instant, de la grosse merde. Alors, légende badge, j'aime bien. Ça me permet soit de faire des collections, soit de les revendre 30 000. Ok, bon pack de merde une nouvelle fois. On, on a vraiment pas de chance, hein, c'est quand même. Vous voyez, vous voyez pourquoi au moins je vous montre que ça sert à rien d'ouvrir des packs. Non, ne le faites pas, c'est vraiment une très mauvaise idée. Ne dépensez pas votre argent là-dedans. Ok, un légende badge encore, c'est pas mal. Après ça va parce qu'au final j'ai quand même pas mal de joueurs au-dessus de 80. Je vais, les, je vais pouvoir les revendre de vers les 2000 euh, tous. Donc euh, il suffirait que j'ai, euh, je dois avoir je pense une centaine de joueurs. Ça peut me faire un petit 200 000 quand même. Donc ça euh, rend pas mal. Et c'est qui le 83 là Ah, Kevin Benjamin. Ok. On aura bien sûr notre pack où il y a une légende dedans à la fin. Moi j'espère que ce ne sera pas une légende de merde. Alors Steve Williams c'est de la grosse merde. Oh que de la merde. Que de la merde. Ah que de la merde en barre c'est chaud. Max Garcia. Ok, ok. On continue. Ah, Bradley Robbie. Yes, Mandy. Alors ça, ça se vend 30 000. Ça se vend 30 000. Bradley Robbie, Mad, euh, Mandy. Parce que moi, moi je l'ai déjà fait la collection. Du coup, euh, coup j'ai plus besoin de la faire. Et euh, franchement, la carte se vend bien cher. Tac, 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 c'est cool, Brokers, ouais, Colston, c'est pas mal, c'est pas trop mal, et on a encore un Légende Badge, c'est nickel, allez, <coughs> ok, Légende Badge, encore, euh, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, ouais, de la merde, hop, de la merde, et de la merde, franchement, hey, ils sont vraiment pas gentils, tu vois, ils pourraient me filer une petite élite, de temps en temps, tu vois, au lieu de me donner des, des Nick Falls et tout ah non, non, c'est des gros bâtards. Allez, il nous en reste pas mal à ouvrir. On se décourage pas. Yes, je crois que j'ai une rouge. Ah d'accord, c'était la légende. Aman ah, Green, putain, j'en ai eu deux. Ah, c'est de la grosse merde. Ah non, non c'est. En, en fait, quand une, une carte légende, ça fait longtemps qu'elle est sortie. Franchement, les collectibles, ils, ils valent plus rien. Là, j'en ai, ai peut-être pour 5000 avant de ça. C'est que dalle. Euh, Captain Moon Line. Ça, c'est bien. Ouais c'est pas mal ok Allez Ok les gens de badge encore Je préfère ça à une vieille collectible Comme je vous l'ai dit Ok on a eu que de la merde encore C'est chaud hein C'est chaud comment on... il est en fait petit à petit chaque année euh, T'as en... de moins en moins de chance En fait de choper des bons trucs Ok bon les gens de badge ah, attendez Putain je voulais mettre du suspense et attendre un peu putain Putain les boules Bon bah au final On a eu Walter Payton Du coup pas, pas de suspense je suis trop deg Bon c'est pas c'est pas dégueu C'est pas dégueu c'est 300 000 Et à la rigueur en fait je le préfère peut-être à Marshall Falk Ou alors je peux jouer avec les deux J'en aurais un qui est très fort en trucking Et un qui est très fort en illusiveness donc euh, Je sais pas trop quoi faire ce que j'ai bien envie de l'utiliser aussi quand même, c'est Max de Trucking et tout, c'est assez cheaté aussi. Mais il va falloir que j'en je revende un de toute façon. Je vais pas utiliser les deux, ce serait... Ce serait trop cheaté. <laughs> ok, bon, bon on aurait Walter Payton. Et notre... Alors, je sais pas ce qu'il y a dans ces packs. Oh yes Yes Une des cartes collectibles... Ah this Putain, c'est de la merde. To the playoffs, Charles Woodson 7, c'est où ça Attendez, 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 attendez. Qu'est-ce que c'est que cette merde Alors, est-ce qu'il y a une collection à partir de ça Bon, franchement, on a une... on a fait une ouverture de pack dégueulasse. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté de ouf. Euh, ça va être dans les jambes, du coup. Est-ce est que ça fait partie des... Euh... <coughs> De la collection de... Ah, voilà, Playoff Charles Woodson. Alors, il nous faut 7 badges légendes. 0 TD Holo, ok. Ça, c'est le challenge. Attendez, on va voir combien ça coûte. On va voir combien ça coûte, on va peut-être la... On va peut-être faire en sorte de pouvoir l'avoir. 291 000 Bravo <laughs> Bravo Putain, c'est trop cher, sa mère Attendez ah putain Celle que j'ai c'est la moins rare quoi. Ah c'est de la grosse daube. Ah c'est de la grosse grosse daube. Ah mais attendez c'est pas les mêmes non Ah si. Ah je suis deck de ouf. Ah non attendez. Donc ça ça coûte 200 000. Ça, on en a pour 60 000 et ça... 59 000. Ok. Ça nous ferait... Ça nous ferait 120 000. 120 000. Plus... Et c'est celle-là qui coûte trop cher. 290 000. Pour avoir Charles Woodson. Alors... J'aimerais bien voir ses stats. Alors j'espère que quelqu'un a déjà fait la collection, que je puisse voir combien il. C'est quoi ses stats un peu Alors s'il est ultra cheaté, franchement on le fait. On le fait parce que c'est Charles Woodson et c'est un joueur que je kiffe. Après, s'il est pas non plus ultra ouf, euh, je le ferai pas. La carte coûte 800 000 quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, pas mal, pas mal. J'hésite de ouf. Pas trop envie de le faire en fait. En fait, ça aurait été la carte safety, je l'aurais fait. Mais là, c'est la carte cornerback. Donc, je suis pas ultra ouf aux Packers. Je suis pas hyper emballé. Et je trouve qu'il est. Il n'est pas assez bon. Du coup, je préfère à la rigueur laisser Marcus Peters. Parce qu'il n'y a pas des grosses différences en fait d'overall entre les deux. Si on regarde bien. Ouais, il y a 4 points par-ci, 4 points par-là. moi bon, je pense pas qu'on la fera. Bon ben voilà en tout cas les gens c'était euh, Alex Vic donc pour, ce, euh, pour cette ouverture euh, de pack. Alors je voulais voir <coughs> Est-ce que je garde Walter Payton ou Marshall Folk Vous savez quoi on va revendre celui qui est le plus cher On va revendre celui qui est le plus cher Parce que de toute façon <coughs> J'en ai besoin que d'un ça va être vite bouclé Moi ouais, Bo Jackson il est trop il est, il est trop cher de ouf Alors Walter Payton, 186 000 donc on va le garder je pense Et Marshall Falk 215 000 environ Ok Bon bah les gens on va jouer avec Walter Payton maintenant euh, On va jouer avec Walter Payton Attendez je, je vais juste comparer un truc Il a combien d'accélération, euh, Peyton Ah, ouais, 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 il est lourd quand même. Ouais, c'est vrai qu'il est lourd. J'aime bien en fait parce qu'il a, il, il a du trucking. Chose que n'a pas euh, Marshall Falk. Et du coup, pour My Light, ce serait vraiment plus sympathique, je trouve. Pour pourrait break plus de tackles. Après, il est moins bon en réception. Le gros truc, euh, le gros plus euh, de, de Falk, c'est qu'il peut jouer même receveur. 91 en catching. Donc euh, Et même en catching traffic je crois il est ultra lourd. Ouais 90 en catching traffic. Ok Non mais on, on va garder Walter Payton, les gens je trouve ça je trouve ça je trouve ça mieux Et du coup on va, on va vendre notre Marshall Falk Bon voilà voilà pour pour cette ouverture de pack où je suis un peu déçu euh, voilà bon En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Euh, en tout cas je vous ferai très bientôt une prochaine vidéo Ultimate Team de, des matchs Puis on se retrouve